En janvier 1995, le Premier ministre haïtien a invité directeur ou agence nouvelle que le Banque développement exigé Le gouvernement de la pour créer. Je pas créer. Mais Big Deal, pas pas de 25 ans. Et si nous n'avons pas commencé à bon, ou quoi, pas besoin de 50 pièces 20 pièces. Pour quelle raison Parce que la Banque Interaméricaine de Développement, comme c'est sous les Amériques qu'elle mettait et focus c'est lui qui en premier avant la Banque Mondiale et l'autre côté qui a venu appui financier. Donc, elle a créé et le premier ministre Marc Michel, qui a cherché à faire directeur du département de l'Université de Porto Rico, m'a accepté. Quelle était la mission à bureau de l'UCG? La mission, c'était prendre charge des réparations dans l'infrastructure délabrée après X temps que pas de guerre et entretien, spécialement pendant 3-4 années, coup d'état, côté tout monde était dans des blousailles nettes. Pas de le comme, non, au début. 30 millions de dollars pour aller faire réparation. C'est pas comme ça. Alors, je m'a raconter ça comme ça pour me faire nous que je suis si, assez enjoué à le pas arrêter comme ça. Après l'obliger qu'on reprise, même Jean 95, c'est une reprise qui était pour financer. Quoi me souvenez, après le parallèle entre ces deux reprises. Pour il y a rien des financements de. Bureau d'investissement international, investissement public dans ce cas-là, parce que si par gain ça, la difficile pour investissement privé reprendre tout, parce que si par l infrastructure, la difficile pour faire investissement privé fonctionner normalement, parce que le rôle des infrastructures. C'est de diminuer les coûts d'opération de production pour rendre possible. Pas jamais oublier ça. Que ce soit dans la route, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans de l'eau potable, que ce soit dans la construction de l'école, que ce soit dans la réparation de l'hôpital, etc., etc. Je dis à plus que jamais, après qu'on pas de à écrasée volontairement, mettre ça dans la tête. Et je dis à l'époque, 30 millions seulement pour commencer. Parce que même à 2015 de 30 millions, c'est un genre pour qui sont au café. Et il faut démontrer qu'au café, 30 millions passés à 80, les vignes passaient à 130, et le président Weber a marché, l'obligé prend ressources nationales pour ajouter la donne, pour faire projet que le mais que. Investissement, ça a eu que ces bides, que ces banques mondiales pas de prévoir. Mais il faut faire bien. Il faut l'argent pas dépenser mal. Il faut comptabilité, faites bien. Etc. Je m'oublie que c'est dans le où je rencontre Robert pour la première fois. Le Robert, c'est un banquier. Jeune officier de crédit. un jeune directeur exécutif. Travail en bas, un premier ministre, mais c'est un premier ministre qui n'a pas de volet. Ah, Smack Michel n'a pas de volet. Il n'a pas duré tout non. Oui. Moun qui remplace l'a de voler, il pas de volet, il n'a pas duré non plus non. Troisième, monde qui remplace l'a de voler, il pas de volet, il n'a pas duré non plus non. Mais trois mouns sa et de consolider les bureau noir qui fait que l'autre qui vient après n'a pas de faits structure que nous mettons. Je fais une parenthèse. Ça. Alors, ça a te permet, à partir du bureau du Premier ministre, observer un paquet de bagailles dans tout le pays. Depuis comme parle, comment le palais national fonctionnait, jusqu'à comment le pays en dehors que j'ai acquis sur le palais a fonctionné. Tout. Ça permet tout. Ouais, comment le système bancaire l a fonctionné. Sinon, je vais rencontrer Robert. Ça permet ouais Oui. Comment les entreprises de travaux publics fonctionnaient et comment les ministères fonctionnaient et toutes les shortcomings que ça a gagné. Si je n'ai pas appuyé appui des trois premiers ministres, probablement je suis en train déjà. Et je pas compter un moment quand gens qui essayer de faire ça. Mais nous bien bien dans la Thibonite. Et moi, observé comment le système comptabilité au et la corruption que nous entendions parler là, comment elle fonctionnait mais de façon intime à fonctionnement du pays d'une manière que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Changement, c'est le niveau ça. Oui, oui. De toute manière, mentionner le ça seulement pour me dire, nous dire non, c'est à cause d'observations que t'ai réussi fait dans la position, que je la dernière jusqu'à 2001. Jusqu'à 2001. Et moi, je me rends compte comment la notion de gouvernance est mal implantée. L'est mal implantée même dans les lois que que conseil de loi qui vient pour avec commerce économie ce sont des lois qui datent de début 19e siècle copiées de la France la France a changé depuis le ça mais même la France même Jean ne jodiël pas fini en forme nette on regrette ça et moi rend moi compte que dans pays par pas de on l'école qui ta qui est une spécialisation au niveau de MBA. MBA, c'est Masters in Business Administration, qui n'est pas l'autre bagaille que maîtrise en management. Et gouvernance, c'est de ça Les règles pour manager et que tout le monde doit suivre, n'ont sens pour faire bagaille, fonctionner avec des résultats. Et on fois que moi, ça, je pas passer toute vie m'a pas à enseigner l'économie. Et strategic management non business school. Ça c'est une gros bagage que ça ben moi, comme économiste, m'a passé dans non business school. M'a passé l'époque ça m'était depuis jeune garçon. Moi à peu près 20 ans d'expérience enseigné MBA, bachelor's, etc. On dit l'homme tourné en Haïti, voulais monter un programme de MBA parce que me Un paquet de gens valables qui ne pa comprennent pas le management. Je rencontrer des ingénieurs qui ne comprennent pas le bilan comptable et comprennent. Je rencontrer des comptables qui ne pa comprennent pas l'économie. Etc. Et Donc, moi je connais qui que j'ai besoin fait, le jour que j'ai l'opportunité de rentrer dans le système. Et c'est ainsi que nous penser à créer un moins Il y a eu plusieurs personnes qui ont dans la création. L'évêque de Gonaïve, c'était Youn Pourquoi Pourquoi l'évêque de Parce que M. Boun naïve on a passé vacances. Il y a un jour, on a passé vacances. Moi, on côté, en date, l'Université Notre-Dame d'Haïti. Je me dis, M. Boun Gonaïve, c'est une université. Je dis, oui, c'est une université catholique. Père Kizam, il m'a dit... Je dit, dis, monseigneur, je connais les catholiques, c'est le monseigneur pour le parler. Je suis monseigneur, je parle. Monsieur Tandem, elle comprend moins. Ce sont des hommes formés, les évêques. Je dit, dis, souvenez-vous comment ça va fonctionner. Si vous payez voyage sans San Juan, le bureau ne va charge me de dépenses locales. À peine on visité pour voir de quoi il s'agit. Et il l'a fait. L'a convaincu Tetli, l'a convaincu l'épiscopat, et nous commençons à travailler sur la création. Ça prend 3-4 ans pour venir en réalité, mais il est venu. Entre-temps, on pile le voyage en Haïti, et ça coûtait coûté comme. On ne peut pas retirer Et c'est ainsi que un médecin haïtien établi à Miami, mais nous sommes des amis d'enfance, lui a retiré 10 000 dollars dans le compte il a dit, « fais tout le voyage que besoin faire. » Mais comment va t commencer Naturellement, il aide aidé, des universités à Porto Rico, côté travail à l'université de Porto Rico, mais c'était interaméricaine, catholique de Porto Rico. Et, sans négliger, Fordham University de New York, parce que les bas elle pour décision au haut niveau de l'Université Notre Dame d'Haïti, ne pour pas de comprendre de quoi il s'agit. Ça ne va faire partie de la culture. Et le vice-recteur académique. Qui était un doctorat de Fordham, dit on a consulté Fordham. Et c'est Fordham qui dit nous sommes haïtiens, les gens ça, comme ça l'a dit. Voilà comment bah, ça réussit prend finalement. Donc, cela dit que causer diaspora important, présence non important pour convaincre un série de monde en Haïti, un série de partis qui ont fait. Pas jamblier ça. Et au niveau local, Moun qui est toujours compris, c'était le gouverneur de la BRH à l'époque, qui lui-même réussit à convaincre les banques commerciales, ainsi que Unibank, Sogebank, Capitalbank, contribuer dans un appui financier nécessaire pour le début, et Digicel, tu comprends tout. Et Sophia que nous avons cette fête là, c'est à travers lui-même nous fonctionnaires qui présentait les là là directeur Digicel en Haïti, qui lui-même présentent par bord Digicel. nos réunions réunion qui a faite à Miami, qui dit nous voulons ça. Et Digicel, bah, nous moitié sixième 6e étage à un prix plus que raisonnable, certainement. It's not a market price, it's very below the market price. Donc, on subvention implicite la dernière pour permettre de nous fonctionner. Et le fait que nous et tout à partir de bureaux qui sont responsables de production de téléphone et d'Internet, je dis à sa ça maintenant, depuis la pandémie, a accès privilégié à un système Internet. Qui fait que aujourd'hui, nous à nos jeunes étudiants, Ouaramette, Jérémie, Gonaïve, et nous espérons jouer à Chicago et New York et Miami tout, Le possible pour venir prendre une maîtrise de l'administration d'entreprise. Opération nous a commencé officiellement en 2017. Nous avons la septième promotion les cours se donnent continuellement en début de toutes sortes'. d'ailleurs. Employés nous touché mensuellement. C'est jours plus Porto Rico qu'en Haïti. Et c'est moi qui si ai un chèque tout employé pour aller là-bas. Il a des fois, là-bas, il pas ouvert. Hein? Ça, notre cause. Ça, sont cause. Donc, le bagage fonctionne. Quels sont les résultats Les résultats sont largement positifs. Première année, nous commençons. Il y a plus que 100 jeunes filles et jeunes garçons qui demandent admission. Toutes pas admettre, Nous ne pas capables de prendre tout. Qui fait que nous obligés de commencer deuxième promotion et head of schedule. Parce que tu as des gens qui te valent la peine que nous ne pouvons pas prendre. Parce que y a une question de capacité installée. Nous ne comprenons pas ça. Et ce pas seulement des comptables et des gens de marketing et des économistes qui étaient venus, c'était tout, des ingénieurs, des agronomes, des docteurs, des médecins, des infirmières, des infirmiers, des spécialistes en détat, des hommes de loi, des managers du secteur public, des prêtres. Parce que la paroisse doit être gérée aussi. Et à date, nous recevons plus que 350 demandes d'admission. Gagnons près de 250 à date dans cette promotion qui réussit admis et enrôlé. Et à date, il y a à peu près 170 personnes, garçons et filles, qui graduent gradué de MBA. Et 140 n'ont eu, gradué avec une double diplomation, parce que nous avons une double diplomation avec l'Université interaméricaine de Porto Rico, qui est même accrédité aux États-Unis. Association of Middle States, Middle States Association of Colleges and Universities, donc ça voulait dire que diplôme a reconnu aux Etats-Unis, et gué approbation de ISO 9000 en Europe, ça voulait dire, you get well travaillé n'importe quoi en Europe. Mais ma petit non tout, je dis à mes bacons de côté que c'est vrai, mes derniers enquêtes non faits, en février 2023, c'est-à-dire qu'avant toute bague a été gaillée, 80% de nos gradués participants sont en Haïti. Et de fait, une de nos gradués mûres travaillé avec Robert et m'espérait qu'avec de très bons résultats. Un agronome, économiste, MBA, Cap Travail, non programme nouveau qui viennent pour -e, avec une sorte de banking, mais ce n'est pas commercial banking, un produit financier nouveau que si on ne pas un type de produit, ça un pays en développement ou pas capable de soutenir la création d'entreprises le maintien des entreprises normalement cap fonctionner et par conséquent l'emploi et la croissance. Donc, pour finir, ce n'est pas n'importe qui bagaille que Il faut nous encourager et il faut nous encourager non seulement à exister, mais continuer à aller plus loin. Et Donc pas de grand pile monde qui a de dehors, mais ça qui travaille de dehors, il a bien. Ça qui au Canada, yu, nous connaît nous identifié au plus parce que l'École Canada, Canada a demandé yu pour yu présenter données selon la formule WES, -E son bagage de et pour pour bails foi de qui ça savent les telle l'école et tout moi, ça a, donc ils obligés à côté nous pour nous remplir des choses et c'est ce que c'est nous connaît. mais y'a pas en pile y a pas en pile toujours au niveau des résultats 98% de monde qui ont gradué disent nous qu'ils sont satisfaits ou très satisfaits nous mettons les deux ensemble 98% de ce qu'ils apprennent dans le programme 50%, donc la moitié, un peu plus de 50%, reportez que, après avoir gradué, ils ont payé plus. Et où, ils ont des positions de plus haute responsabilité. Donc, ça veut dire que l'entreprise, compte que les gens apprennent nos bagailles. Et c'est ça que nous cherchons. 70% de nos étudiants sont des hommes, mais 30% sont des femmes. Donc les ouais, femmes arrivent et 50%, mais déjà 30% c'est déjà une note positive dans sa Haïti. 60% travaillent pour des entreprises privées. Seulement 20% dans le secteur public. Il y 10% ailleurs dans le secteur agricole dire 20%, 20% Well I need a little bit more. Et, 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 et à peu près 10% dans le secteur agricole, Ça dit. dire à peu près une vingtaine de monde qui maîtrisent le dans meilleur cap travaille dans le secteur agricole, probablement au niveau de direction, etc. Et m'a mentionné nous, il y a 5 dans qui aujourd'hui a suivi des programmes de doctorat à l'étranger. Étudiants ont mentionné qu'ils croient qu'ils augmenté en pile dans leur capacité de prise de décision. C'est ça MBA. C'est apprendre à prendre des décisions et d'espérer de bonnes décisions. Et ils mettent en pile valeur sous le training que vous recevoir dans la question de leadership. Très important. Pour conduire la croissance et le développement. Maintenant, la pandémie, dans un certain sens, forcer nos vies hybrides. C'est un bon travail. Tout le coup, nous sommes présentiels mais avec la pandémie, nous avons venir hybride. Et quand il y a les bagages yoga et les problèmes de sécurité, nous avons venir forcément, fully online. ligne. Nous avons de 5h de l'après-midi à 8h du soir, et samedi matin, samedi après-midi. C'est-à-dire que, nous, parce que nous avons le travail, parce que pour, pour admettre un programme ça, non seulement il faut un bachelor's degree, mais nous demandons pour qu'il cinq années d'expérience au travail. Pour quelle raison Parce que l'expérience au travail sont un liés liée dans l'apprentissage. Parce que quand on a fait une série de de bagages, c'est peut-être pas une seule décision qui est possible. Quand a différentes décisions possibles, il faut choisir une. Mais il faut mettre toute à la discussion. Donc, l'expérience que nous avons fait dans le travail, est important. Pour discuter, pour arriver à une discussion d'ensemble. Et, MAP dit nous tout, à nous avons à peu près 25 étudiants, par promotion, mais nous avons une capacité pour nous mettre jusqu'à 50. Donc, c'est seulement 50% de, 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 de capacité installée, nous, qui en fonction. Diaspora, si jamais on parle de concert intéressé, L'impossible, de deux façons. Non seulement nous-mêmes, nous, -mêmes, nous sommes capables de participer côté nous hier, ingénieurs, agronomes, d'États spécialistes, qui nous maîtrise qui nous aux États-Unis, mais tout, et c'est ça qui est important, dans la mesure que nous avons pensé à toute région, dans la mesure que nous avons une organisation différents côtés au site mais qui, en parallèle avec l'organisation en pays, nous capables faire backing à mon côté de nos qui qui ka, est capable d'admettre, qui capable de réussir l'admission dans un programme comme ça, pour augmenter la capacité de gérer localement. Parce que si, par ailleurs, capacité de gestion localement, ou tomber encore dans Bordeaux-Prince, et Bordeaux-Prince très souvent pas passé à vous. Extrêmement important. Donc, on passé nos messages ça. Professeurs, nous, ils ont tous grand doctorat en Amérique Faites, soit aux états unis soit au Canada, soit en Chine, soit en Europe, des professeurs haïtiens, des professeurs étrangers. Des professeurs haïtiens étrangers qui n'a pas de prince, il y a des professeur haïtiens qui vivent à Mirbaler, il y a des professeur haïtiens qui vivent Cap-Haïtien, il y a des professeur haïtiens qui vivent Montréal. Mais quand ça a tout gagne, un blanc français qui vit en Europe, mais qui te travaille en Haïti dans le bidon et qui bâille coup pour nous. Nous gagnons un ancien gouverneur de banque à Trinidad, qui bâille coup pour nous. Couillot bâille dans la langue du professeur. On est sur Mirbaler, mais pas les Be my guest. Pour cette Trinidad pour anglais pour vous le parlez. Vous comprenez. Malheureusement, on voyez que les professeurs parlent pagnol. Ici, vous n'avez pas de se comprendre. C'est difficile hein, parce que voisin voisins immédiats, nous, République Dominicaine, Cuba, c'est parlent, Même supposer que les voisins immédiats qui parlent anglais, c'est télévision Bon, ma fini tout pour me dire nous, nous comptons participer aujourd'hui a trois choses que, durant... Enfin, je ne vais pas dire durant l'année. Disons, une fois que le problème politique commence à suspendre, il y a trois choses que nous pouvons rentrer plus là-dedans. Premièrement, nous pouvons rentrer plus dans des cours de courte durée. Qui a trois jours, qui a une semaine, qui a trois semaines, qui a trois week-ends, tout bas, là, dépend de qui sait pour le couvrir, pour nous capables d'appuyer les besoins pressants de la force de travail des entreprises. Et je me suspecte qu'avec tant de monde qui quittait le pays, en plus, l'entreprise a besoin de training additionnel à Sakilayo pour y de continuer continue à faire le travail. Ça, c'est Deuxièmement, nous avons besoin d'entrer dans les activités de recherche. Nous voyons que la Banque centrale haïtienne a commencé à des subvention pour faire recherche. Nous avons fait application pour deux recherches. En réalité, dès le 15 novembre, mais je vous connais, nous avons une réponse.

c'est parce que nous avons besoin de connaître qui ça a produit. Est-ce que ça ben, a si produit avant en Haïti et on suspend le produit en Haïti et pour quelle raison Pour nous comprendre qui ça vient pour changer, pour type de ben, Et finalement, nous avons besoin d'innover tout, parce que même j'en si ai parlé de masters in business administration, nous avons besoin de tout commencer un masters in public administration, parce que l'État, s'il n'a pas l'autre type de gestion, No paradigma. Grazie beaucoup.